crois que les arbitres ne peuvent pas faire ça. Vraiment, c'est ouvrez les gars, passez comme ça, gars. Comme ça. Ouais, ça visibilité. C'est pas. Ça va. Oui, c'est les gars. Ça va. Calm down, no time ici. Ok, allez. C'est bien de nous mettre avec les gars. Je pense que c'est un petit débat, c'est pas une autre. D'abord, une autre personne qui s'est préparée. Et peut-être, c'est déjà au niveau de l'institution. Et le travail aussi, c'est encore énorme de travail. Donc, on peut que dire, c'est pas plus encore un pas, trois points. Je pense que c'est des résultats positifs pour les joueurs de football lorsqu'on sort de l'équipe. Donc, je félicite d'ailleurs les joueurs parce qu'en face, ce n'était pas une petite équipe, une équipe qui a aussi des ambitions. Comme Lyopa, mais c'est comme je l'ai dit dans longtemps, que Lyopa doit d'abord se rassurer de sa saison. Donc lorsque tu seras rassuré, déjà, et puis on verra si la possibilité, pourquoi pas. Oui, très bien, elle démarre très bien. Dès lors, pour la phase retour, nous avons eu un entraîneur donc, pour lequel je suis venu, pour sa signature. Et deux jours après, on a eu un match, il a fait ce qu'il pouvait. Parce qu'il ne connaissait pas déjà l'équipe. Et ça, c'est son deuxième match sur le banc. Vous avez constaté que le jeu de Lyopa a été très peu revu à la hausse. Mais il y a encore du travail dans cette équipe. Oui, bien sûr. Comme dans toute équipe, on ne baisse pas les bras. Il continue à s'entraîner durement pour monter la pente. Et il aurait fallu qu'il y ait un encouragement aussi grave. Parce que vous savez déjà qu'avec les subventions de la fédération qui ne sont pas là, le Lyopa aujourd'hui, avant ce match, ils sont passés à la caisse. Ils sont. La fédération ne demande pas déjà les subventions jusqu'à ce jour. Le bar est passé à la caisse où les joueurs entrant pour ce match, ils étaient confiants parce qu'ils avaient bénéficié de leur salaire. Aux supporters ? Aux supporters, c'est juste leur dire de revenir massivement pour pouvoir encourager l'équipe. C'est vrai que c'était difficile, mais je garantis qu'avec l'arrivée de nouvel entraîneur et le nouvel enthousiasme que nous avons, on peut faire mieux. Moi, c'est le coach Pierre Sérignon. Bon, on peut dire que les paras, ils ont, je ne peux pas dire fait un hold-up, mais ils ont aussi profité de notre légèreté. On a pris un but alors qu'on était bien dans le match. Puis on a poussé et on n'est pas revenu. Je crois qu'on n'avait pas prévu ça comme ça. Mais c'est le football de la compétition. C'est un match qui peut vous oublier. C'est parce que nous avons espéré aujourd'hui. Nous sommes venus pour faire le résultat aujourd'hui. Ce n'est pas passé. Je crois que il faut mieux simplement. Et puis, regardez bien. Au supporter de l'EC. Non, de dire que. L'équipe se comporte bien, c'est vrai, le résultat ne suit pas tout de suite là. Je suis conscient de leur impatience et nous pensons que le tir va être rectifié. Nous sommes sur le bon chemin. D'ici le prochain match, je crois que nous allons.